Je trouve quand même bizarre aussi, c'est qu'on n'a pas commencé là-dessus. J'aimerais bien avoir des nouvelles quand même sur l'achèvement des travaux, comment ça s'est passé, qui était et tout ça. L'achèvement des travaux s'est passé quand? L'achèvement des travaux? Oui. Tu parles enfin, des travaux du mandat, elle a eu lieu quand? On reçoit encore des papiers de monsieur. Oui, mais l'achèvement des travaux, ça a été fait normalement quand même. Elle a été faite quand? Tu veux savoir quoi exactement? Je voudrais savoir quand est-ce que la date de travaux a été faite, qui a participé, qui a répondu. La réception a été faite au mois d'avril. J'ai plus la date, mais une bonne date avril. La réception au mois d'avril avec les réserves. Et les réserves sont censées fermer. Quand est-ce qu'elle a eu lieu la réunion? Parce qu'il y a quand même une réunion de la commission qui est obligatoire avant la fin des travaux et avant la malfaçon. Nous n'avons jamais eu de commission de travaux sur le lion d'or. Et c'est obligatoire. Ouais, c'est pas facile de répondre. Eh oui, c'est grave quand est-ce que vous avez fait là. Alors je confirme. J'ai les papiers sous les yeux. La réception des travaux a été faite le 30 mars. Par plusieurs a été signée. Et fin des travaux. Donc, les grosses œuvres, le monsieur, l'entreprise a signé, signé par l'architecte, signé par l'entreprise, et il y avait quelques malfaçons ou quelque chose à refaire. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas très bien compris, c'est mis escalier PMR extérieur à terminer. Qu'est-ce que vous avez mis extérieur PMR. Antidérapant. Pardon? Antidérapant. Sur les marches? Okay, je vais dire qu'est-ce qu'ils ont pu mettre. Alors, il y a une autre aussi que j'ai trouvé très bien aussi. Le bardage. Signé, fini, le 30 mars. 30 mars, signé, fini. Vous vous rappelez que le 1er février, j'avais demandé qu'on arrête les travaux parce qu'il y avait trop de malfaçons. La cloison plombée, pareil, il a signé le 30 mars, il avait fini, 30 mars. Avec des réserves, non? Avec quelques réserves. Lui, qu'est-ce qu'il avait en réserve? Ah non, il avait simplement le DOE à donner, c'est tout. C'est un papier. C'est pour en venir où? Mais tu vas continuer longtemps comme ça ou Oui, mais sur 10, il y en a quand même 7 consignés. Et là, c'est complètement interdit, les travaux n'étaient pas finis. C'est signé par qui? Ben, c'est signé par qui? Ben, par l'architecte, l'entreprise. Ouais. C'est tout? Oui. Hein? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, non? Eh bien, les travaux n'étaient pas finis. Pourquoi ça a été signé? Regardez, le bardage, il est signé. Demande l'architecte. Demandez à l'architecte, c'est son métier à lui. Non, mais c'est votre boulot aussi. Mais s'il a pas signé, c'est aussi. Vous étiez bien là pour le 30 mars. Mais c'est fini, lui il estime que c'est fini. Bah, c'est bien, tant mieux pour lui, mais pour nous, c'était pas fini. Pour nous, c'était pas fini. Il n'a pas été arrivé. Non, mais c'était pas ça. Les travaux, ils sont signés par qui? Ils sont signés par l'architecte, puisque c'est l'architecte qui suit les travaux. Il est signé par l'entreprise et il est signé par le propriétaire. Comme c'est un lieu public, Il est signé par le maire. On est d'accord quand même, dame. Est-ce qu'il y a ma signature dessus? Non, parce que le 30 mars, je dis voilà. Ça, je sais tout maintenant. Vous pouvez appeler trop que j'ai les papiers en main. Je ne vais peut-être pas les avoir. Alors, qu'est-ce que vous dites? Le bardage finit le 30 mars. Ils avaient 15 jours pour finir toutes les malfaçons. Ils devaient finir 15 jours après, c'est mis, hein. Fini là.
Et on s'en fout, j'en ai pas un mois près, de toute façon, il peut finir un mois près, s'ils veulent. On n'a pas le dossier là, faut qu'on regarde ça. Mais non, non, mais c'est les dossiers que vous avez envoyés à l'entreprise. Aux entreprises. C'est un secret, tu vois. Ah oui, je vais demander si vous l'avez, c'est sûr et certain. Hein? La réunion de commission, elle a eu lieu quand? Les deux qui sont obligatoires. Il aurait peut-être fallu en parler avant, puis de, parce que là, je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Ah, mais les éléments. Les deux, on n'a jamais eu de commission travaux commerce pour le restaurant. Jamais, jamais. Tu sais, Jacqueline, tu peux aussi, toi, si tu sens que c'est intéressant d'en avoir une, te manifester et poser la question et en demander une, tu vois. Mais non, c'est pas à moi de le faire. Bah, tu peux très bien t'exprimer. Mais il faut qu'on n'ait pas obligé. Ça, c'est fait là, moi, je les ai eus au mois de juin. Ils étaient envoyés directement chez les artisans. En fait, si c'est pas signé par le maire, je vois pas où tu vas en venir. C'est grave ce qui est fait. Justement, c'est encore plus grave que je me suis renseignée. Oui, mais enfin, la réserve a été faite à l'architecte. On est tous mécontents de l'architecte. Je vois pas le. Ah, ça, c'est sûr et certain qu'on est tous mécontents de l'architecte. C'est quoi la rumeur que tu veux colporter là? C'est ça que je comprends pas en fait. C'est pas une rumeur. J'ai les papiers en main. Mais ça n'a pas été signé par le maire. Si, ça a été signé. Bah pas tous, tu disais qu'il n'y avait pas la signature. Ah oui, mais ça a été signé par l'architecte. Voilà. Ça fait quand même tous les mois, on demande, vous en êtes où? Vous faites quand l'achèvement des travaux là? Vous la faites quand? Ça fait depuis le mois de mars, vous emmenez en bateau. Hein, parce que vous ne l'avez jamais dit que vous avez fait. On n'a pas signé. C'est quand même clair. C'est des rumeurs. Et il n'y a jamais eu, j'ai demandé. Je veux bien entendre tout ce qu'on veut, Jocelyne. Mais pour être constructif, il ne faut pas accumuler des dossiers, prendre des preuves et tout, et puis venir après en disant ça va attendre. C'est avant. Sinon, on n'est pas. Vous nous avez menti dès le départ. Mais on n'a pas menti. Ça ne pensait pas. Pourquoi vous nous aviez dit que les travaux n'étaient pas faits? Les achèvements des travaux n'étaient pas faits de le 30 mars. Depuis le 30 mars, c'est fait. Si j'ai pas signé, j'ai pas eu les documents. Non, mais ils sont partis tout seuls de la mairie. Non, c'est pas le mieux. En fait, on peut reconnaître peut-être les documents. Et l'achèvement des travaux, vous ne pouvez pas me répondre. C'est normal parce qu'il n'y en a pas eu. Eh bien, justement. Il y a une réserve des professeurs. Et ils habitent dedans? C'est interdit. Non, le logement, je suis d'accord. Oui. Là, sur le logement, je suis d'accord. Non, mais là, le commerce aussi, on est dans la procédure. Il y a eu l'accord de la préfecture. Ils ne sont pas dans le commerce illégalement. Et mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi vous n'envoyez pas les papiers? En fait, c'est exactement ce qu'on disait au début de la réunion, il faut vérifier les infos avant de colporter des trucs comme ça. Je colporte pas. Mais si tu colportes qu'ils ont fait des malfaçons, qu'ils ont fait quelque chose dans ton dos, il n'y a pas leur signature. Ils ont ça, c'est sûr et certain, parce qu'il n'y a pas eu de commission. Ben oui, mais ils sont d'accord. Ils sont d'accord qu'il n'y a pas d'achèvement. Oui, voilà, t'as envie de mais c'est l'architecte a fait des fous. Voilà, c'est mal, voilà. D'autant plus qu'au mois de décembre, on avait bien dit qu'il ne fallait surtout pas que tu fasses l'achèvement des travaux parce que tu avais conflit d'intérêt. C'est même toi-même qui l'as occupé ici. Oui, tu étais là et on parlait sur le restaurant, conflit d'intérêt pour certains, hein, et tu m'as dit, ben, mon Dieu, je ne peux pas faire les achèvements de travaux. J'ai dit non, tu n'as pas le droit. Ne dis pas que tu n'étais pas contre, tu m'aimes toi-même, tu m'as posé la question. Mettons, si tu veux. Et du coup, tu veux quoi, le gars? Mais je te demande quand est-ce que l'achèvement des travaux les faits, vous n'êtes pas capable de me répondre, c'est normal. Tu l'as là-bas. Tu l'as là-bas, là. Les gens habitent dedans. Alors, le PV de sécurité, là, tu fais quand? On n'a pas les éléments, là. J'ai 100 questions, je n'ai pas les réponses. Tu aurais sûrement mieux fait, en fait.
Oui, bien sûr. Pardon ? Tu as sûrement mieux fait que tout le monde. Ça, pas du tout, pas du tout. Ah oui, j'ai l'impression. Pas du tout. Les questions, il faudrait les poser avant les questions. Ben, je vous les pose maintenant. Ah non, mais du coup, on n'est même pas du roi. Normalement, et moi je veux dire une chose, c'est normalement, vous devez, la personne à la mémoire, ou bien quelque chose, vous savez quand même bien quand vous avez fait la fin des travaux. Au mois de, le 17 juin, vous avez répondu, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, vous avez répondu, on le fera par avant le 1er juillet. Alors, donc, déjà, entre le 1er et le 14, ça ne connaît pas beaucoup de dates. Hein. Vous devez savoir peut-être qu'elle a été faite. Hein. Seulement les travaux, c'est l'architecte qui gère seulement les travaux. Et l'architecte, on peut en vérifier, mais les mails qu'on a envoyés, c'est des dizaines de mails au l'architecte pour qu'ils viennent, qu'ils interviennent et qu'ils prennent les entreprises. Et ils faisaient pas, qu'est-ce qu'on fasse, hein. C'est pas nous d'aller prendre les entreprises. Hein. C'est lui, donc ben, voilà, c'est son boulot. Écoutez, moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas laisser ça comme ça parce que je trouve qu'il y a le exactement que je donc si tu laisses pas ça comme ça. Il y a exactement les travaux avec réserve, là on est en train de lever la réserve. La réception de fin de chantier n'est pas. Par rapport à la réception de fin de chantier, il y a la levée de réserve, l'architecte a levé la réserve, quand la réserve est levée, c'est terminé. Alors normalement, avec Emma Garçon, il y avait l'achèvement des travaux. Ça vaut une valeur, ça, si c'est possible. Si tu veux, après, une fois que la réserve sont levées, l'architecte est signé, terminé. Ça, c'est fini. Mais il a signé tout, hein. Mais là, il a signé l'achèvement des travaux. Il a libéré les artisans. Quoi. Avec voilà. Certains des réserves. Voilà. Ouais. Ah, donc, c'est grenade, une fois que vous avez fini. Les travaux de la mairie ici. Oui, la mairie signe avec les réserves. Là, il n'y a rien de signé, ça veut dire que la réception de fin de chantier n'a jamais été faite. La réception est faite, il y a les réserves, c'est tout. Ouais. Bah, c'est bizarre que. Normalement. Et en plus, les réserves, bah, ça traîne forcément parce que l'architecte, lui, il n'a pas eu son dernier avenant, donc il est tout bloqué. Donc, tant qu'on ne faisait pas son avenant, il n'y a pas de réserves. Mais nous, on ne veut pas donner son amant puisqu'il a porté son boulot, mais c'est une 720, hein. C'est le chien qui m'a arrêté. Mais là, pour les artisans, ça se passe comment? Parce que... Ils ne sont pas payés non plus. Ils ne sont pas payés, mais la réception de travaux n'a aucun. Non, mais c'est terminé avec eux. Tu comprends les artisans, eux, ils ne sont pas payés, ils ne vont pas venir finir le boulot. Hein. Bah oui, ça a donné grand chose. Donc, du coup, on va trouver de la société de la société de FM et de la CRM à la RTEC. Pour qu'on puisse finir. Enfin, ça, c'est possible. Bah, je suis bien quand même. Ici. Oui, mais après, on a. Puis même par la preuve d'assurance, elle ne peut pas se recevoir les gens quand même. Oui. Si jamais elle n'a pas de papier. La commission de sécurité qui est passée, hein. C'est une norme. Hein. La sécurité est passée. Il y a le contrôle 15, il y a tout le contrôle, là, tout le contrôle est venu. On a refait passer la page pour que ce soit vraiment conforme. Mmh. Oui, ouais, mais de toute façon, il y a quelque chose qui va pas. De toute façon, c'est sûr. Parce que normalement, il va devoir être affiché en plus. Après la page, c'était trop. Nous, on fait passer là la page pour lui donner quelque chose de correct. Après, le contrôle de sécurité, les sacs, les ouais, stackers, tout ça. De toute façon, à ces réunions-là, ce contrôle-là, la mairie est toujours invitée. Un représentant de la mairie. De toute façon, on n'a pas eu non plus de réunion. Sur le flash, c'est mis dessus. Nous travaillons également sur le projet d'un nouveau bâtiment pour la garderie, la médiathèque, la cantine et la salle de réunion. On n'a jamais parlé de ça à un œil en conseil. Vous mettez ça sur le flash. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous allez faire là, Jocelyne? Je ne suis même pas au courant de ce qu'ils ont mis. Alors, nous travaillons également pour des travaux hein, dans la rénovation sur la résidence Cabrel sont en cours. Ça, c'est OK. Nous travaillons également sur le projet d'un bâtiment, d'un nouveau bâtiment pour la garderie, médiathèque, cantine, salle de réunion. Moi, je dis, on n'en a jamais parlé en réunion.
ce qui a toujours été dit depuis l'année dernière. On n'en a jamais parlé à rien. Vous mettez ça dessus, c'est sûr que les gens, ils s'interpellent. Bah oui, c'est interpellent. Ben oui, mais je dis, qu'est-ce que tu veux répondre avec ça? Est-ce que vous voulez répondre? Ça donne l'impression que c'est de côté, quoi. On travaille sur des projets, tout n'est pas voté, puisque les votes, de toute façon, après, ils passent en conseil. Ça peut être ambigu dans la tête des gens. Il faut bien commencer à travailler en allant chercher des informations et tout. Pour l'instant, on n'a rien de fait. Il ne faut pas mettre sur le bulletin pendant le conseil. Quand on organise une commission, il faut arriver avec des arguments, avoir fait des recherches avant, avoir des exemples. De coûts, des idées de plans et tout. Si on ne commence pas à travailler avant, et on peut l'annoncer parce que ça fait partie des projets, est-ce que ce sera fait cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, je ne sais pas. Ça manque tellement de place quand même ici, quand on voit comment il faut gérer la médiathèque, la salle. Oui, mais ça peut être manqué de sous. Non, mais c'est inscrit sur le plan avant que le conseil s'ouvre. Ne me dites pas, vous n'étiez pas au courant du projet garderie, ça faisait partie de ce qui avait déjà été annoncé même avant. Hein. Oui, je ne dis pas, je ne dis pas non. Mais je dis quand même, il y a des choses qui sont quand même notées dessus qu'on n'en a jamais parlé. Donc il ne faut pas nous mettre quelque chose qu'on n'en a jamais parlé. Les gens nous posent des questions, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Ce qui est formidable, c'est que des gens ne connaissent plus personne et posent des questions. Posez-vous des questions, pourquoi ils viennent pas? C'est peut-être bien. Posez-vous la question, pourquoi ils viennent pas? Ça fait 4 fois que j'entends ça. C'est bien. Envoyez-la à la mairie puisqu'ils viennent tous chez vous. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, je leur dis. Bon, c'est pas chose. Ce que vous leur dites et ce que vous faites. Les fosses dans le ciel, les fosses toutes eaux, non collectif, je les ai trouvées un peu chères, mais bon, c'est la communauté. J'ai comparé par rapport à moi, ce que je fais, c'est la CEDAP de Redon, exactement. J'ai téléphoné à la communauté pour savoir comment il fonctionnait exactement. Ah, mais madame, ce n'est pas d'actualité. C'est à titre indicatif. Oui, mais vous le mettez aussi sur là-dessus. Enfin, ben, les gens, ils vont téléphoner. Les prix sont revus régulièrement. Vous allez voir. Allez. Les prix sont revus régulièrement. Après, c'est sûr, par exemple, les prix un prix un jour, ça veut dire qu'il est valable le lendemain. Les prix sont revus. Oui, c'est toujours à titre indicatif. Alors, c'est pas qu'après, il faut appeler pour se renseigner. Oui, mais déjà, en plus, c'est pas l'actualité qu'elle dit. Ah ben, la chose que j'ai parlé, la compétence d'entretien était toujours l'actualité. C'est-à-dire que j'ai appelé, ce n'est pas l'actualité. Je vais rappeler le cas, parce que moi quand j'ai écrit ça, Bon, la séance est levée. Les lumières, les cordes, Apparemment, il y a un programmateur aussi, mais ils n'ont pas accès. C'est dans une armoire. Peut-être qu'il y a une Souffle.